Reprenons. On s'était arrêté là. Donc, le script de la vidéo précédente, je l'ai recopié ici. C'est peut-être pas tout à fait le même, je l'ai refait de mémoire puisque je l'avais pas enregistré. Et bon, ça doit. Si je vais faire un print à la fin. Un print. Hop, un print parenthèse quoi. Un print quoi, sinus, ça doit être ça. Ok, comme quoi, hein, on travaille tous très tard. Je l'enregistre, téléchargement, oui. Ah, allez. Alors, qu'est-ce que... Oui, la liste. J'aurais bien aimé retrouver l'affichage un peu plus compact. C'était expand. Si je vais dans view, j'ai pas un truc programme argument focus éditeur. Non, objet inspecteur note file exception assistant. Et ben, je ne sais pas où est le truc tools. Bon, ok, on va rester là-dessus. Donc, qu'est-ce que je vois? J'ai effectivement donc. Les valeurs des sinus pour des angles en radians allant de 0 à 360. Bien. Alors par contre, ce n'était pas la réponse à l'exercice. La réponse à l'exercice, c'était ça, je voulais une fonction. Alors, si je reprends, moi la fonction, je vais la définir au-dessus. Définition, la fonction. Alors j'ai toujours un peu peur de redonner les mêmes noms, je vais l'appeler f de x. Il y a deux points, hop, et tout ce qui est dans l'indentation jusqu'au return, c'est dans ma fonction. Alors de quoi ai-je besoin? Moi je veux une fonction qui me calcule les sinus. Donc x c'est l'angle, et puis f de x c'est sinus de x, x étant en radian. Donc moi là les x, je vais les mettre en degrés, donc il faut que je les transforme. Donc, avec Amy, nous on a fait ça, on a coupé, on a fait ça, et on s'est dit, on est bête, puisque ici, ma variable, c'est x, et pas y. Ok, là j'ai l'angle, et puis dans le return, je peux directement lui demander, entre mes deux parenthèses, de m'afficher le résultat du calcul que je veux, donc moi c'est sinus de angle. Un truc. Voilà. Bien. Ok, donc ça, c'est, j'ai besoin de la déclaration de ma liste dans laquelle je vais mettre toutes mes données. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai besoin de ma boucle, évidemment. Et ici, la boucle, je vais rajouter. En fait, ma fonction f de x, enfin f de y sur le coup. Je crois que là, ça doit faire la même chose. Je le lance. Alors, je vais nettoyer mon shell. Je le lance. Et ça me fait la même chose. Donc ça, c'est bon. Après, on s'est posé des questions sur sinus 360 degrés. Si vous faites un cercle trigo, alors là, ça va être super chaud. Un cercle trigo à la souris, ça va me donner, alors un cercle crayon, ça c'est stylo. Bon, bah, ça c'est mon cercle. Les sinus, hein, je vous rappelle, ils sont là. Ça, c'est les sinus. Voilà. Bon, on va mettre ça, c'est tout. Les angles, donc voilà, ça, je fais un angle. L'angle, il part d'ici. Donc, ça, c'est à peu près 30 degrés. Et le sinus, hein, c'est la projection sur cet axe-là. Donc, si ce petit truc, si ce rayon-là, il tourne, pof, ça, c'est sinus de 90, ça fait 1, puisque c'est l'intégralité.
voilà, c'est sur cet axe-là que je vais le lire. Après, sinus 180, c'est 0. Et puis, 270, c'est moins 1. Et donc, quand il revient à 360, le sinus, si je vous fais ce petit angle-là, le sinus, il est là. Donc, il est négatif et il diminue. Il se rapproche de 0, plus je vais monter. Et donc, ayant expliqué brillamment ceci, je peux fermer, je peux revenir sur cette valeur-là. Et donc là, on s'est interrogé. C'est moins 2,44 négatif, ça doit être 0. Hein. Moins 2,44, 10 puissance moins 16, donc c'est très près de 0. Et donc je me dis, bah, tiens, là, il y a une erreur, il y a une approximation à la 16e décimale, mais elle est là. Et en fait, l'erreur, elle vient de la valeur de pi. Ici, la valeur de pi, la valeur de pi prise pour calculer mon angle en radian, bah, vous voyez qu'elle est approximative en fait. Donc j'ai peut-être la solution, parce que dans la bibliothèque Matinport, j'ai un truc qui doit s'appeler radian. Radian, alors angle, et ben c'est, si je fais ça, les radians de x. Si je supprime ce truc-là, ça va me transformer mon angle en degré en radian, enfin j'espère, et puis je calcule, voilà, si je refais ça, que se passe-t-il? Eh bien, radian n'existe pas. Donc, radian n'existe pas. C'est ballot. Donc, Internet est notre ami. Hein. Si je lance Internet, je vais revenir là-dessus. Si je lance Internet, Python radian, degré radian avec un S, donc je retombe dans mon Tony, radian avec un S, si je lance, alors qu'est-ce qu'il me dit encore, oui, ben radian avec un S évidemment, il faut que je le mette deux fois, si je le relance, voilà, et là qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai toujours, donc je n'ai pas la solution. Mais l'erreur vient, moi ce que je conclue, c'est que pi, beaucoup de décimales, mais ça n'est pas pi, et ma foi, la fonction radian, elle aussi, générera le même genre d'erreur à partir de la 16e décimale. Bien. Alors là, j'ai utilisé From Matinport, si je regarde mon PDF, il est où? Il est là. Et puis, j'aurais pu aussi importer les éléments qui m'intéressent avec l'autre commande à peu près équivalente, import mat as m. Et donc là, il faut bien regarder, radian, faut la fonction radian, donc elle doit être taguée devant par la lettre m. Sinon, c'est pas connu. Par exemple, tiens, si je fais ici, je l'avais déjà montré, bon, ok. Alors, import mat as m, donc là, plus rien qui fonctionne, hein. Toc. Ok, ici, si je veux que radian soit reconnu, je vais mettre m point, le sinus, il faudra que je mette m point aussi, sinon ça ne marchera pas, et c'est bien tout, et hop, je retombe sur mes pattes. Bien, alors ça c'est fait, où est-ce que je suis? Je ne sais plus, je descends. Alors, utiliser les fonctions racines exponentielles, mais pas que. Alors, j'ai ici, oui elle est très très belle celle-là. Alors ici j'ai un petit script, et je vais le copier-coller. Alors le petit script copier-coller, moi je me rappelle que c'est mieux d'utiliser le fichier OpenOffice, mais je vais perdre mes images, comme d'hab. Alors, je suis au 14, contrôle 14. C'est par ici. Voilà, moi, c'est ce truc-là. Je me le prends, contrôle A, contrôle C, je vais dans Tony, je me le colle, contrôle V, je me fais un nettoyage, et puis je vide mes variables. Voilà, c'est comme s'il n'avait rien fait. Alors, qu'est-ce que je peux? Première ligne importe pandas pd, ben c'est la bibliothèque.
C'est déjà la bibliothèque Panda? J'ai pas sauté un truc. Non, bon, bah on est là. Panda et Matt, j'en importe deux. Alors, ça va se faire en deux temps. Si je retourne là-dessus, importe Panda, PD, bon, Panda, c'est une bibliothèque, PD, ça va être le préfixe que je mettrai devant toutes les variables. Donc, Panda, PD, là, j'ai ici URL, URL, c'est une variable qui va contenir, en fait, voilà, cette ligne de texte. Et cette ligne de texte, si vous la regardez bien, c'est l'accès beau, c'est donc une URL. Et le mesure CSV qu'on a déjà utilisé, en fait, ça, c'est l'endroit où moi, je l'ai mis sur Internet. Alors, mais pour l'instant, URL, ça n'est qu'une variable. Le mesure, donc ça, c'est une autre variable, c'est égal à pd.read, pd.read, donc pd, hop, ça veut dire que read, tiré du 8 CSV, ça vient de la bibliothèque Panda. Alors, regardez bien ce qui se passe, et je vous rappelle que mon fichier CSV, oui, il y avait des séparateurs décimales, c'était la virgule. Et donc là, alors, je vais chercher l'URL. Le séparateur, il va chercher, donc il va lire ligne par ligne à la recherche des points virgules pour séparer les données d'une ligne. Il va transformer mon... j'ai une virgule dans mon CSV, donc il va reconnaître la virgule comme étant le séparateur de décimales. Et puis l'encodage UTF-8. Et puis le truc qui est magique, c'est ça, c'est la ligne numéro 5. Donc je vais lancer le programme. Donc c'est un peu plus long, puisque là il est en train de communiquer avec l'Intelnet. Et voilà, alors il a communiqué, là il m'a fait les trois prints derrière. Donc mesure colonne, là il me donne l'index, l'étiquette de mes colonnes. Et puis leur type, ce sont des objets. Donc j'ai relève capteur 1, capteur 2, oui, ça je le sais. Et là, ici, print, ça c'est pour sauter une ligne. Et puis le print valeur 0, 0, valeur 0, 1, valeur 0, 2. Donc le premier bloc 0 entre crochets pour ces trois éléments de ma liste valeur, eh bien, c'est pour l'élément de ma seconde ligne, puisque moi j'ai une ligne d'étiquette. Elle a dû être supprimée. Oui, il a considéré que des valeurs numériques à première vue. Et puis là, il m'affiche donc la première valeur numérique, c'était bien 1, la deuxième valeur numérique de ma première ligne et la troisième valeur numérique de ma première ligne. Et ça, ce sont des données, donc valeurs, je peux faire des calculs, n'importe quel calcul avec. Tout en laissant donc le fichier source sur Internet. C'est exactement ce qui se passe là actuellement avec les données Covid. Les données Covid, elles sont toutes hébergées. Elles sont toutes hébergées sur DataGouve. Covid. Doc. Donc j'imagine que c'est pas ça. Données hospitalières relatives à l'épidémie. Donc là, si je descends, bah tiens, là j'ai un fichier CSV, données hospitalières, ça c'est sûrement la date de mise à jour, donc tous les hôpitaux doivent pouvoir rajouter des données quand ils le veulent dans ces fichiers-là, et après, pour l'analyse, eh ben, il suffit que je lance mon petit script, et puis il va chercher les données qui sont mises à jour dans une base. C'est l'idée. C'est l'idée qui est assez géniale, en fait, au niveau participatif. Alors, retournons sur celui-là. Continuons. Je comprends que l'URL contient une URL, que le PD lit le contenu du fichier à distance, le reste, OK, rien de nouveau sous le soleil. Alors, testons ce script-là. Alors, ce script-là, il va toujours ouvrir mon fichier mesure CSV. Je vais essayer de l'intermanger, je vais le copier-coller. Donc, ce n'est pas lui, mais c'est l'autre. Contrôle A, contrôle C. Tony, hop, contrôle V. Ah, donc là, j'importe deux bibliothèques. OK, Panda, ça, c'est pour utiliser ces petites lignes magiques. Je vous demande de commenter le script. Donc, ça, c'est importation de la bibliothèque Panda, importation de la bibliothèque Math. Ici, c'est déclaration de l'URL pointant sur le dossier CSV source. Cette ligne-là, on l'a déjà vue, donc elle va m'ouvrir le fameux fichier CSV, puisque l'URL, c'est celle-là.
chercher ligne par ligne le séparateur de décimales qui est le point virgule. Si jamais il y a des virgules, ça sera reconnu comme étant, chercher le séparateur de données point virgule et courir après les virgules, les virgules pour les déclarer donc comme séparateur décimal et donc en Python ce sera des points et puis en codage, voilà. Ça va transformer mes valeurs qui sont sous la forme panda, donc de data frame, ça va les transformer en liste. Ici, ça va compter le nombre d'éléments qu'il y a dans mes valeurs, donc il y en avait 245 de mémoire, et puis ici, je lui demande de m'afficher, donc c'est une boucle, hein, donc ça va me lire, ça va m'imprimer ligne par ligne, chacune de mes lignes de mes éléments. Ici, calcul 1, c'est une formule avec m, donc ça vient de m, c'est maths. La racine carrée il faudrait peut-être que je vous ouvre. Je l'ai encore, mesure. Non, je ne l'ai plus. Bon, pas mesure, je vais aller le chercher. Mesure. J'aurais pu cliquer sur le lien qui contient le truc. Donc c'est lui. Hop. Alors, dans téléchargement, si je vous ouvre avec mon bloc-notes, donc là, et si j'essaye de vous montrer l'autre truc à côté, comme ça c'est bien. Alors ici, le for in range n, là j'ai une data frame à ce niveau-là qui commence ici et qui fait tout le reste. Donc au début il vaut 0, donc il va commencer par ces éléments-là. Il va me faire la racine carrée du troisième élément, donc la racine carrée de 22679 multipliée par l'exponentielle de moins la valeur de la première multipliée par l'exponentielle de moins 150. Et bah tiens, on va tester ça avec le mode debug. Donc on y va, je traite première bibliothèque. Je vais le lancer pour voir s'il marche. Il ne peut que marcher, d'accord. Donc je fais stop. Alors c'est peut-être long, là je viens de faire un clic, j'attends un peu. Ok. Importe mat, je clique, ok, Panda, ça doit être une grosse bibliothèque. Je traite l'URL, pouf, donc ça apparaît ici. Je vais réduire un peu, toc. Je vais faire, donc là il va découper mes machins, encoder, reconnaître, ok, je fais. Donc là j'ai mesure, relevé 1, relevé 2, et puis il y a d'autres trucs en dessous. Donc tout ça, ça doit être dans mon data frame. Après, là, ça transforme mon data frame et ça met tout ça dans une liste valeur. Donc, je fais. Donc, maintenant, j'ai ma liste valeur et j'ai mon premier bloc, le deuxième bloc, etc. Là, ça va me dire le n valeur, ça va me dire combien il y a de valeurs. Donc, n, il y en a 245. C'était ça. Après, je vais rentrer dans ma boucle. Donc, là, je vais faire un petit coup et après, j'y vais. Ici, ça met 0 dans i. Ça se voit là-haut. Ici, ça va m'afficher donc le premier bloc valeur 0. Donc, c'est tout ce qui est compris entre ces deux crochets-là. Donc là, je le fais. Donc, ça me l'affiche. Oui, ça vient de me l'afficher là. Je vais calculer. Donc, c'est là que je vais y aller lentement. Ici, ça va chercher la bibliothèque qui va bien, il va s'occuper, c'est qui valeur I2? Ben moi je vous dis que c'est 22679. Donc là-dedans, il va prendre le deuxième élément, donc celui-là, 22, voilà,
Et après, il va me prendre. Il me fait. C'était quoi là ? Il me fait la racine carrée. Puis après, il me prend. C'est qui la valeur de 0, 1 dans cette liste ? C'est le premier bloc. Et là, il va prendre la valeur 150 du milieu. Puisque c'est la deuxième 150, il me fait l'exponentielle. Hop, ça me fait ça. Et puis il me fait le produit des deux. Et tout ça, il me le met dans calcul 1. Et donc calcul 1, ça y est. Ici, regardez bien ce qui se passe. Valeur i, pour l'instant, c'est ma liste avec ces valeurs 0, en fait. Donc c'est 1, 150 et ça. Et puisque je lui demande avec la méthode append de rajouter le résultat du calcul, bah, il va me faire un quatrième élément dans ma liste. Ah, donc là, je le fais. Valeur i, c'est qui ? Valeur 0, pardon, donc c'est celle-là, et il va lui rajouter ça, et donc ça me fait, il est où ? Valeur, voilà, il est là, ma liste valeur, je lui ai rajouté un élément calculé qui se trouve ici. Et puis après, je lui demande d'afficher la valeur, donc là, je vais avoir en dessous une valeur supplémentaire. Hop, voilà, et puis il fait ça pour chacune de mes lignes. Donc, toc, 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 toc. Donc, d'où le résultat final si je lance le script. Fini télécharger bibliothèque. Il va chercher le fichier à distance. Et puis, il ajoute des éléments. Donc, on peut vraiment tout faire. Continuons. Ça, c'était beau. Toc, vos notes, vous en prendrez. On va matplotlib. Alors, matplotlib, c'est une bibliothèque. Pour l'importer, c'est... Import matplotlib, plplotlas.plt. Vous avez ici quelques commandes, mais il y en a plein d'autres. Pour aller plus loin, là, vous pouvez cliquer sur ce lien. Et alors, je vais cliquer sur ce lien. Tracer des courbes. Alors, où est-ce que je suis dans ce menu ? NumPy, tracer des courbes. Je dois être au bon endroit, en tout cas, tracer des courbes. Vous avez toutes les commandes, plot, vous donnez deux arrêts avec des valeurs x, y, et vous les dessinez, enfin voilà, ce type de dessin, ça c'est un truc qu'on va voir, enfin voilà, donc comment faire des dessins, vous pouvez en faire plusieurs, là tout en bas il y avait un truc qui était rigolo. On peut personnaliser les points, les courbes, on peut à peu près tout faire, les couleurs, tracer des formes, faire des ellipses, enfin, bon, et ben c'est pas là que je l'ai trouvé. On peut dessiner aussi plusieurs dessins, enfin plusieurs graphes dans une même fenêtre. Alors, comment ça marche ? Donc, je retourne là-dessus. Exo, tester le script et comprenez. Alors, je vais prendre tout ça, contrôle. Dans mon cours, je vais me prendre, c'est lui, oui, tout ça, contrôle A, contrôle C, je vais dans Tony, contrôle A, contrôle V, je nettoie, et je voilà. Alors, qu'est-ce que, sans lancer le programme, est-ce que je suis, et c'est ce qu'on vous demande, hein, donc, on ne vous demande pas de taper tout ça et de comprendre et d'être capable de taper tout ça, mais l'idée c'est de comprendre. Saisis des paramètres, A, B, C, ok, ça met 2 dans A, moins 4 dans B, moins 3 dans C. Importe, ça importe la bibliothèque. Calcule le couple x, y via une boucle. Je pars de x est égal à moins 10, ok, pourquoi pas. For i in range 40, donc il va tourner 40 fois. Alors, la première ligne... Il va commencer, x vaut 10, donc là ça vaudra, x pardon, vaut moins 10, donc là ça va, à la fin de la ligne 10, x ça va valoir moins 9,5. Il va calculer avec ce moins 9,5 une valeur de y, et puis après je lui demande de tracer le couple xy, donc moins 9,5 la valeur calculée de y, de me faire une petite croix, et puis de me mettre une couleur rouge. Bon, moi je comprends. Ça va tourner 40 fois, donc je vais avoir 40 points. Et puis, mise en forme du graphique, j'aurai un titre, j'aurai ici des axes qui iront de moins 20 à 30 pour les x et de moins 50 à 200 pour les y. Le nom qu'il y aura dans l'abscisse, dans le
pour les X, ce sera 6 ordonnées. Enfin, voilà, tout ça, ça se personnalise et ça se finit par le show. Parce que si je ne mets pas le PLT show, ça n'affiche rien. Donc, si je lance ce petit programme, je ne suis pas étonné de voir ça. Alors, je reconnais mes éléments. 200-50, ça c'est bien. Les données Y, min, Y, max. Moins 20, 30, c'est bien les premiers. Donc, X, min, X, max. Je sais pas tout à fait moins 10, c'est moins 9,5, hein, d'où la première croix. Bien que je ne dis que 200, c'est peut-être pas suffisant. Donc, il faut peut-être que j'aille jusqu'à 300. Si je relance ce petit programme... Non, ben 200, c'était... Non, ben voilà, oui, 200, c'était pas suffisant. J'avais un point qui était caché juste au-dessus. Donc, j'ai compris. Je comprends aussi que si je veux pas que ce soit une croix, mais si je veux que ce soit une étoile, est-ce que ça sera reconnu? Eh ben là, oui, j'ai mes petites étoiles. Bon, ben, c'est cool. Donc, j'ai à peu près tout compris de ce qui se passe là-dedans. Tout ça grâce à la bibliothèque Matplotlib, ASP.LT. Et c'est pour ça, donc toutes les commandes qui viennent de cette bibliothèque, elles sont toutes là. Elles commencent par PLT, PLT show, ça en fait partie, PLT plot, ça en fait partie. Donc, là où c'est... Donc, je peux... Voilà, vous me donnez un couple de points. Moi, avec Matplotlib, je vous la présente graphiquement. Encore plus fort. Qu'est-ce qu'on avait recopié? Alors, donc, vous avez... Voilà, donc le titre de l'exercice, c'est tout à fait ça. Vous avez un programme, alors quelle est la valeur de départ de X? Alors moi, si je regarde ça, si je fais ça, alors valeur minimale de X, ben, c'est moins 10. Toc. Le pas de calcul de X, c'est de combien? Donc j'avance tous les combien sur X, ben, c'est le pas, moi c'est 0,5. Comment faire si je veux des points en bleu et non des croix? Bon, ben, ma foi, des points en bleu. Bleu, moi je dis que ça doit être blue. Red. Et puis des points, ben, tiens, je vais mettre un point. Pourquoi pas? Si je le relance, ça me donne quoi? Ben, ça me donne des points, ils sont bleus, cool. Quoi d'autre? Quelles lignes font que je visualise les axes OX et OY de mon... Oui, parce que les axes, là, d'où qu'ils viennent, hein, ces trucs très noirs, là, ben, je me dis, il y a deux machins noirs ici, AX, H-line, ben, si je commente, par exemple, ces deux lignes, pour vérifier, c'est bien celle-là, ben, ça, c'est bien... Effectivement, là maintenant j'ai plus mes axes, donc le PLT AX H-line, c'est ce qui me permet de faire l'axe des X et l'axe des Y. Cool. Ok, puis-je, après exécution du programme, appeler une valeur X ou Y, en gros? Alors, on n'avait pas compris la question, donc là, est-ce que j'ai mémorisé quelque chose? Est-ce que mes données sont dans une liste? Est-ce que je peux aller chercher, par exemple, la troisième valeur calculée? La réponse est non. Ça, c'est à cause de ma boucle. Ma petite boucle, ici, elle a tourné, elle calcule, et puis après, elle substitue la valeur XY, la valeur du couple XY d'avant, c'est remplacé par la valeur qui suit, quoi. Donc, je ne mémorise rien dans ce programme. Donc, il a fait le calcul, et après, il oublie. Donc, puis-je exécuter... Donc, je peux appeler aucune de mes valeurs, sauf la dernière, qui est encore, d'ailleurs, là, 10 et 157. Donc, on peut faire encore plus rigolo. Si je redescends dans mon cours, ici, là, je vais prendre NumPy et Matplotlib. Alors, hop, je prends ce truc-là, là, CTRL-C, puis je crois que c'est arrêté. Je vais le coller. Voilà. Je nettoie, je vais mettre plein écran et puis je vais refaire un petit saut dans mon PDF. Donc ça, on a répondu. Faire des graphiques avec NumPy. Donc l'idée, c'est d'obtenir ça. Le programme est un peu plus long. Mais ce qui est super important dans ce truc-là, c'est la ligne. Celle-là, XNP line space. Alors allons-y. Qu'est-ce que je comprends? Trois paramètres ABC.
Delta, ça est le discriminant d'une fonction du second degré, mais carrément 4 à C. Ok, ça c'est pour afficher un truc. Ici, j'ai si, alors si mon delta est positif, il me calcule x1, x2, il me l'affiche delta x1, x2, et puis sinon il m'affiche delta égale à 0. Et puis sinon, donc si j'arrive à imprimer ce truc-là, effectivement, c'est que mon delta, il n'est pas strictement positif, il n'est pas nul, donc il n'y a pas de solution dans la RL. Hop, représentation graphique, donc là j'importe mes deux bibliothèques. Ici le xmin, donc ça c'est le input. Alors le input, je vous rappelle que ça va générer, ça demande à l'utilisateur de saisir un truc, mais le truc qu'il saisit, c'est reconnu comme étant une variable de type string. Et donc, puisque moi je veux faire des calculs avec, il faut que j'utilise la commande float. Alors, ayant utilisé float, je le fais pour xmin et xmax, donc ça, ça va permettre à l'utilisateur de saisir les bornes minimum et maximum de x. Et puis après, je retrouve un truc que je ne connais pas, qu'on va expliquer après. Et puis, ayant ce truc, eh ben, il va calculer y avec les valeurs de x, là, et il va me dessiner mon graphique. Ça me donne ça en un clic. Ici, résolution de l'équation 2x2 moins 4x moins 3. Le delta est positif, donc il y a bien deux solutions. Ça, c'est ce qui vient de ici. Donc, il n'a pas du tout traité hein, le elif et le else. Après, on me demande, ok, donc il me parle là. Et il me dit, Pierre, tu veux dessiner ce truc-là de où à où? Alors, moi, je ne sais pas, je vais dire de moins 10 à, hop, je valide, xmax à 20, et puis j'appuie sur entrée, et voilà, et il me fait ça. Alors il me fait ça, donc, j'ai pas fait de boucle là, il n'y a pas de boucle for i in comme dans l'exemple précédent, et donc la magie semble venir de la ligne 32. Les lignes 34 et la suite, les PLT plot, là c'est pour faire le dessin. Alors allons-y. Quand j'ai fait ça, moi, je vais fermer ici mon petit graphique pour avoir le shell et pour me poser des questions. Là, les données sont, mes variables sont encore remplies. Donc, moi, je me dis, ce x-là, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais lui demander de me l'afficher. Et le x, en fait, c'est en fait un tableau de données numériques. D'ailleurs, de type float, puisqu'elles ont toutes des points à chaque fois. Donc, j'en ai combien de données? Eh ben, j'en ai 1, 2, 3, 4, donc 4 colonnes, 4 lignes, 4 colonnes, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 4, 20. Donc j'ai 20 données qui sont calculées. Et maintenant je comprends que le NP qui vient de NumPy, c'est pour ça que j'ai été chercher cette bibliothèque qui vient de NumPy parce que NumPy a NP. Eh ben, cette petite ligne, en fait, elle me gère un tableau de données qui part de xmin, moins 10, qui va jusqu'à xmax, et dedans, il y aura 20 valeurs calculées. Et les 20 valeurs sont réparties, c'est le nombre de points, en fait, sont réparties équitablement à intervalles réguliers entre xmin et xmax. Et le truc de plus fort, c'est qu'en dessous, il y a y, et y, une seule ligne. Et bien, puisque x, c'est un tableau de données, et bien le y, il va... Enfin, y, ça va aussi être un tableau de données. Tiens, d'ailleurs, pourquoi ne pas faire y? Là, je vous présente les 20 données calculées de proche en proche pour chacun des x en utilisant la formule de y. Et donc, je me retrouve avec mes données x, mes données y avec le même ordre. Hein, le premier x est en correspondance avec le premier y. Et donc, si je lui demande de calculer le graphique, bah, il me le fait. Je vous le remonte, parce qu'il y a un deuxième mystère, moins 10. Ah tiens, je vais mettre moins 10, et puis je vais mettre 10. Et là, ça va bien, 2 moins 10 à 10, et j'ai mes points qui sont calculés. Et j'ai des points rouges et des traits bleus. C'est important, ça, les points rouges et les traits bleus. Alors, j'ai des points rouges et des traits bleus. Eh ben, à cause de ces deux lignes, j'ai deux plots. Il y en a une là, blue, ben, c'est les traits. Et si je mets ce petit symbole là, je lui dis, ben, tu me feras un petit point.
je pourrais le changer, ça. C'est par exemple, si je mets étoile, si je relance mon petit programme, toc, maintenant je vais avoir des petites étoiles. Pourquoi je ne le vois pas? Ah, pardon. Donc on a dit moins 10, on a dit, je ne sais pas, moins 40, pour changer. Toc. Donc là, maintenant, j'ai mes petites étoiles. Pof. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit, Amy? Elle m'a dit que ça serait plus logique de mettre les points, comme en maths, et puis après, de tracer la courbe. Tout à fait. Donc, mais après, on s'est dit, oui, mais si vous faites ça, ben, je vais le faire. En fait, le trait va être dessus les points, donc on les verra moins. C'est juste pour ça. Ctrl V. Ça, je vire. Et si je fais ça, moins 10, c'est agaçant, allez, écoute. Voilà, donc j'ai le trait bleu qui passe sur le point. Donc on fait comme on veut. Hein, des points, d'ailleurs les points, on pourrait juste s'en passer. La courbe. Tiens, alors on peut, tiens, bah maintenant que j'ai une petite courbe aussi, on peut zoomer dessus. C'est génial. Là, je fais un petit carré. Hop, et voilà, c'était la question. Est-ce que c'est une courbe comme il faut faire en mathématiques? Ou est-ce que ce sont juste des segments qui relient mes points, point par point? Ben voilà, vous voyez, vous avez la réponse. Ce sont des segments. Donc si vous faites ce graphique à un prof de maths avec une fonction du second degré, eh ben, il vous met 0 pour le graphique, hein, parce que je vous rappelle qu'entre ces points-là, c'est une courbe, c'est une parabole. Donc les points ne sont pas reliés par des segments. Mais par une parabole, donc c'est courbe. Je crois qu'on s'était arrêté là. Toc, tout ça, hop. Votre analyse, si, il y a ça. Alors, les valeurs du graphique sont-elles enregistrées dans la mémoire? Alors, sur le coup, oui. Pour preuve, je peux les appeler pour preuve. Je vais fermer mon petit graphique pour avoir mon shell. Pour preuve, si je lui demande de m'afficher X, je sais qu'il m'affiche tout ça. Mais si je lui demande de m'afficher X, la deuxième valeur de X, bah, il va m'afficher le moins 7,89. Toc. La vie est belle. Donc oui, la deuxième question dans mon PDF, c'est la ligne 29. Le float est-il utile dans quel cas? Eh bien, alors le float, c'est la ligne 29, c'est ça. Donc le input, ça c'est un champ texte, hein, ça sera une donnée de type texte. J'aurais pu mettre int, si je pars du principe que l'utilisateur ne tape que des valeurs entières, moins 10, moins 15, mais le float, si jamais moi j'ai envie de dessiner de moins 10,53 jusqu'à 42,9, eh ben, il me faut du float. Quoi d'autre? Non, c'est pas lui. C'est lui. Non, on va prendre celui-là. La ligne 30 de Linspace est une fonction de quelle bibliothèque? Ah bah, facile, si je vais dans une ligne, voilà, celle-là. Bah, NP, c'est NumPy. Pof. Non, fatigué, non. La ligne 33, là, voilà. La variable y est de quel type? Je ne sais pas, mais si je tape type y, j'ai la réponse. Il me dit que c'est un tableau de données NumPy, le ND array. Ok, et si j'étais feignant ou subtil, je pourrais dire, bon, ben, quand je regarde la ligne 32-33, puisque 33y fait appel à un élément, à un truc qui est x, et ben je me dis, le type de y, c'est probablement le type de x, puisque le reste, ce sont des constantes, des valeurs numériques. Et effectivement, ben tiens, vérifions, si je fais type de x, pof, ben, ouais, c'est la même. Que dire d'autre? Et c'est fini. Pourquoi y a-t-il deux plots ligne 34? Ben, j'ai déjà commenté. J'ai commenté. Non, je n'ai pas commenté. Ben, si je commente le plot couleur bleue, là. Hop. Pardon. Hop. Si je relance ce truc. Et si je retape moins 10. C'est pour ça, en fait, quand vous écrivez des programmes, là, si vous faites, vous allez faire plein de fois ce truc-là.
Donc, les Xmin, Xmax, hop, moi je les commande avec les inputs. Et puis, je prends deux valeurs qui sont toujours les mêmes, comme ça, ils se lancent sans poser de questions à chaque fois. Donc là, j'appuie sur Entrée. Donc, j'ai commenté le truc qui me faisait les traits bleus. Donc, j'ai deux plots. Parce qu'il y en a un qui me sert à mettre les points et il y en a un autre qui me sert à mettre les traits, enfin les segments entre mes points. Donc voilà. Et ben je crois que c'est tout. Donc j'ai plus qu'à couper. Je ferme. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Alors, je coupe, j'arrête d'enregistrer.